Hello les amis, c'est le Parisien. Comment ça va? Bon, on est tous tristes ce soir, nous les supporters du Paris Saint-Germain, parce qu'on vient de se faire éliminer en demi-finale de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions par Dortmund. On avait perdu le match aller 1-0, on perd 1-0 le match retour. On a encore, comme au match aller, loupé la première mi-temps. Comme au match aller, le PSG, on a loupé la première mi-temps. Et on s'est réveillé en deuxième mi-temps, on s'est réveillé en deuxième mi-temps, on attaque bien en deuxième mi-temps avec un poteau de Zaïre Emery. Sur un corner, poteau de Zaïre Emery. Ensuite, une frappe de Nuno Mendes sur le poteau. Ça fait déjà deux poteaux comme au match aller. Ensuite, Hummels qui marque un but de la tête alors que Donnarumma ne sort pas. Donc le but est pour lui, très clairement. Puis après, on a deux barres transversales. Une par Mbappé que le gardien de Dortmund dévie sur sa barre. Et une frappe de Vitinha exceptionnelle sur la barre transversale. Donc on a mis quatre montants ce soir. Quatre montants, mais c'est pas une excuse. Voilà, la chance qui était avec nous depuis le début de la compétition, depuis le début des huitièmes, des quarts, nous a fui en demi-finale. On met deux poteaux à l'aller, on perd 1-0. On met quatre montants au retour, on perd 1-0. Voilà, je vous laisse calculer. Après, est-ce qu'il y a pénalty sur Mbappé à la fin? Bon, c'est pas la question, mais franchement, il y a des joueurs au PSG. Bah voilà, c'est la fin d'une ère. Mbappé, c'est fini. Ce soir, je me demande même s'il a joué le match parce que franchement, il a été ridicule. C'est ça le plus grand joueur du monde. Bah non. Voilà, moi, je pense qu'il faut juste féliciter Dortmund, qui a joué une demi-finale de Coupe d'Europe et que franchement qui nous ont défensivement créé une équipe de Dortmund qui a été exceptionnelle. Voilà, c'est la fin d'un rêve, c'est comme ça, c'est dur à encaisser parce que je pense honnêtement, au vu de la deuxième mi-temps qu'on fait encore ce soir avec les quatre montants, qu'on était supérieur à Dortmund et encore une fois, encore une fois, Paris, on passe à côté de la première mi-temps et ça nous coûte la qualification en finale. C'est dommage, mais c'est comme ça, il faut accepter, c'est comme ça. C'est le football. Dortmund ira jouer le premier jeu de finale de Ligue des Champions. Voilà, je pense que certains supporters parisiens étaient trop confiants. Moi, je pensais qu'on allait gagner 3-1. Je pensais vraiment qu'on allait gagner 3-1. Je pensais vraiment qu'on allait gagner 3 buts à 1. Au vu de la deuxième mi-temps, ça aurait été logique. Mais Dortmund a bien joué. Ils ont marqué. Voilà, il n'y a rien à dire. Ils nous éliminent. Ils ont été plus réalistes que nous. Défensivement, ils ont été meilleurs. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, putain de poteau, quoi. Putain. Sur la demi-finale, on en met 6. Deux à l'aller, quatre au retour, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça. C'est comme ça, enfin voilà, bravo à certains joueurs, d'autres que je vais pas blâmer parce que ce soir j'ai pas la tête à blâmer les joueurs, même si le plus grand joueur du monde, comme il se le prétend Mbappé, passe à côté du match aller et du match retour, et que son histoire au PSG se termine avec zéro Ligue des Champions. Donc voilà, écoutez, hein, les amis parisiens, on a un titre de champion de France à aller fêter dimanche, et une finale de Coupe de France à gagner contre Lyon le 25 mai. Voilà, bon, maintenant on va se faire chambrer, mais ça faut accepter, c'est le jeu. C'est le jeu par des guignols qui n'ont rien gagné depuis 10 ans et qui sont par le FC Procuration, mais c'est pas grave. Ils vont se prendre un karma, vous inquiétez pas, mais en tout cas, voilà, bravo à Luis Enrique, aux joueurs pour le parcours. Et voilà, je pense que si ce soir on a plus de réussite en deuxième mi-temps, on leur met 4 buts à 1 et franchement, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. En tout cas, je vais saluer quand même l'excellent match hein, de Marquis, Captain Marquis qui fait un gros match. Vitinha qui fait un gros match, Nuno Mendes qui fait un bon match, Hakimi il était énorme. Franchement, c'est dommage les poteaux, mais bon, ça me rappelle l'équipe de France de 2002 où on a mis zéro but en phase de poule et on a mis que des poteaux. Là, c'est pareil, on met que des montants. Ce soir, on met que des montants. Ça veut pas rentrer, voilà, c'est comme ça. Dortmund a eu la réussite et il en faut pour aller en finale, bravo. Bravo à eux. Voilà, maintenant, on va passer à autre chose. On aura pour la première saison de Luis Enrique avec autant de joueurs qui sont partis. Gagner le trophée des champions, gagner le championnat, être en finale de Coupe de France, demi-finaliste de Ligue des Champions, c'est quand même une saison qui est. Voilà. Allez, salut les amis, et puis nous les supporters, on sera toujours là quoi qu'il arrive. Allez, salut les amis.